6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. On va aux États-Unis ce matin, Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. Alors, on parle de la prochaine élection présidentielle aux États-Unis, une élection qui pourrait créer des surprises, car beaucoup d'Américains ne veulent pas d'un nouveau duel Trump-Biden. Les candidats indépendants ou issus de petits partis attirent de plus en plus d'électeurs. Alors, aux États-Unis, le débat tourne en fait autour de l'hypothèse d'un candidat tiers qui pourrait faire basculer la prochaine élection présidentielle. Pourquoi ? Parce que la course entre Trump et Biden s'annonce tellement serrée qu'un troisième candidat pourrait changer la donne. C'est d'ailleurs pourquoi les états-majors des deux partis dominants sont en alerte face à ces trois candidats qui se démarquent largement des autres. Ces troubles faits gagnent en importance à mesure que les Américains rejettent la domination des partis démocrates et républicains sur la vie politique et qu'ils ne veulent plus non plus d'un deuxième duel entre Joe Biden et Donald Trump. Alors on a d'abord la candidate écologiste Jill Stein. Son parti est bien implanté dans le paysage politique américain et lui permet d'être présente sur les bulletins de vote dans une vingtaine d'États, dont certains États clés. Il y a aussi le candidat Cornel West, un universitaire afro-américain qui représente la gauche, mais surtout l'antiracisme. Il y a aussi l'outsider préféré des Américains, Robert Kennedy Jr., lequel s'est particulièrement fait remarquer pendant l'épidémie du Covid en menant une campagne contre les vaccins. Ces candidats vont certainement siphonner les voix qui traditionnellement allaient soit au Parti démocrate, soit au Parti républicain. Alors aujourd'hui, l'élection présidentielle pourrait s'afficher plutôt au fanion des votes sanctions, des votes qui pourraient déboucher sur des conséquences inédites. Les Américains n'ont jamais été aussi nombreux à se dire abusés et fatigués par la polarisation politique du pays. Et les chiffres sont là pour le démontrer. En octobre 2023, 63% des Américains estimaient que ces deux partis ne les représentaient pas vraiment, qu'ils s'écartaient de leurs promesses de campagne et que l'émergence d'un troisième parti pourrait rééquilibrer les voix des électeurs, notamment ceux exclus des discours de Trump et de Biden, dans une Amérique où les électeurs sont de plus en plus indigents, beaucoup plus pauvres, pendant que d'énormes budgets sont alloués à des guerres qui ne les concernent pas, une Amérique où la jeunesse estudiantine veut peser de tout son poids pour dire qu'il faudra aussi compter avec elle.